Nickel! Ben, salut! Aujourd'hui, on va jouer à Mathfazer. C'était un ancien jeu pour ceux qui connaissent. Félicitations, vous faites partie de l'époque de nos grands frères. Et ceux qui connaissent pas, c'était un jeu fait, je pense, sur RPG Maker, un éditeur de jeux assez basique, assez simple, qui était très connu il y a des années. Et Mathfazer, c'est un jeu qui a été créé, je pense, avec ça, et qui a fait partie du style de jeu qui a longtemps accompagné mon enfance. Ça, avec The Witch House, Misao, Mathfazer, enfin, Aoni même, je pense que c'était fait avec RPG Maker. Une ribambelle de jeux qui date beaucoup aujourd'hui. Et je viens de voir qu'ils l'ont sorti sur Steam, en remaster. Donc pas avec RPG Maker, même s'il y a écrit qu'on peut lancer le jeu avec l'original version, donc je pense que c'est avec le RPG Maker. Et aujourd'hui, on va utiliser les layouts des streams de Crusaders. Non pas parce que je trouve ça plus joli, mais parce que j'ai la flemme d'utiliser ma caméra, de les raccorder. Donc voilà, comme ça c'est fait, et je pense qu'on peut commencer. On va commencer par lancer le jeu. Je sais pas encore si je vais en faire un let's play, ça dépendra de mon humeur. Ah bah super, déjà il faut commencer par faire des réglages qui me plaisent tout à fait. On entend le jeu mais on ne le voit pas. Ah, c'est tout bonnement génial. Voilà! Putain, ça fait 5 minutes. Bon déjà on peut voir que le jeu est super vieux, hein. On peut voir les bords noirs qui font absolument plaisir à tout le monde ici, vraiment, moi le premier. Je crois que j'ai baissé un peu le son, parce qu'on n'entend rien. Voilà, normalement ça devrait être beaucoup moins fort. Voilà, on va vraiment le mettre au minimum. Alors le jeu est en anglais, mais il est aussi en espagnol, ce qui aurait été plus facile pour moi pour traduire, mais je préfère que pour tout le monde, comme l'anglais est la langue universelle, tout le monde puisse comprendre avant même que je puisse le traduire. Mais ce qui veut dire aussi que l'anglais, je le maîtrise pas du bout des doigts, donc c'est possible que je dise fortement de la merde. Si c'est le cas, ben tant pis, qu'est-ce que je te dis? Allez, let's go. Comment ça? Ah, alors oui. Alors, ce jeu, je m'en rappelle. Il y a très très longtemps, enfin je m'en rappelle, c'est un grand mot. Il y a plusieurs fins qui sont disponibles, donc comme on le voit, il faut finir une fois l'aventure pour accéder à la deuxième fin. Et il faut récupérer des sortes de petits trucs qui brillent, et ce sont des gemmes, et en récupérant toutes les gemmes, bon, de toute façon c'est écrit, putain, mais qu'est-ce que j'explique? Bon, allez, let's go. Non, start par le prologue. Ce jeu contient des scènes et des images disturbing. Enfin, faites attention si vous êtes sensible, quoi. On s'en branle! C'est long, hein? J'ai pas envie de le passer au cas où je passe un truc important là. Très bien. Moi qui pensais que ça allait commencer, je suis un peu déçu. D'accord. Très bien. Bah faisons comme ça. Ah ah ah. Mathfazer, le père fou. Pour ceux qui sont pas bilingues. C'est brutal. C'est super brutal. Papa. Je dois appuyer. Oh le con. Ok. Papa. Papa, tu es à l'intérieur? Est-ce que tu es là? Enfin. Papa!
Aya, combien de fois est-ce que je t'ai dit de ne pas descendre ici? Désolé, papa, mais j'ai beaucoup trop peur pour pleurer. Pour pleurer, non, pour dormir toute seule. Aya, laisse-moi dessus. Ne t'inquiète pas, tu ne seras jamais seule. Your late mother? Ta dernière. Je sais pas, ta dernière mère est toujours ici, à tes côtés? Elle te regarde toujours. Elle est toujours en train de te regarder, Aya. D'accord? Allez, maintenant, va dormir. Oui, papa. Bonne fille. Papa, demain, oui, c'est l'anniversaire de sa mort. On va visiter sa tombe tous les deux. Ok. Maintenant, va dans ton lit, s'il te plaît. I'll be racing too shortly. Je vais aller me coucher dans pas longtemps. Oui, papa. Quelle soumise. Alors, par contre, drôle de surprise, pour ceux qui connaissent le jeu depuis super longtemps, la fonte graphique est complètement différente. Hein. Stop! Si je peux, je vous mettrai une petite image de à quoi ressemblait le perso à l'époque de nos grands frères. Non! Ouah! Aidez-moi! Allez! Oula. Ça, je m'en rappelais pas avant. Je connais le secret de papa. Mon papa est un scientifique. Il love research and he's always locked up. Alors, il adore les recherches et il est toujours enfermé dans son labo, dans le sous-sol. J'ai toujours entendu des choses venant de ce labo. Des animaux et. Enfin, des cris d'animaux et d'humains. Même depuis mon plus jeune âge, je savais ce que faisait mon père. Alors, je prétendais ne rien voir. Non? Que je connaissais rien ou n'entendais rien. J'étais dans l'ignorance pendant tout ce temps parce que j'adorais papa. Parce que j'aimais papa. Et c'était pas le seul secret que je connais. Quand maman et moi étant traînons around, putain, je sais pas comment le traduire, on traînait ensemble, on va dire. Lui et sa servante. Oh! A fine sample. Je sais pas ce que ça veut dire. Je devrais disposer of the. I shall dispose of the remaining material. Bon, il y a des trucs que j'arrive pas à traduire, je suis désolé, je suis vraiment une bite en anglais, mais je fais ce que je peux. Alors, I shall dispose of the. Je devrais disposer tous les matériaux moi-même, enfin tout le matériel moi-même. Ça peut attendre. Viens, Maria. Docteur! Oula! C'est l'heure du sexe? La maîtresse, Isawa, est au courant. Alors, la maîtresse est au courant de notre relation. Et qu'est-ce que ça peut faire? Je ne pense pas, she is fond of me. Je ne pense pas qu'elle me fasse confiance. Je sais pas du tout. Putain, mais il y a des mots. Putain, il y a des mots, je connais pas. La petite va avoir 11 ans dans pas longtemps. C'est un âge assez troublant. Ça, c'est certain. Sois sympa avec elle, s'il te plaît. Et assure-toi que she comes to harm. Enfin, je sais pas, qu'elle se mette pas dans mes problèmes. Putain, mais c'est des mots simples. Je connais pas. She shall always be my most precious. Elle devrait être. Enfin, elle est ce que j'ai de plus précieux. Je vais changer l'écran de côté. Parce que je regarde le truc de face et ça me plaît pas trop. Hop, voilà. Ça va durer 2 secondes. Voilà. Nickel. C'est minuit. Aujourd'hui, c'est le jour où maman est partie au paradis. Ou en enfer, hein, parce que elle aimait sortir en boîte, ta mère. Maman. Maintenant que je pense à maman, je ne peux pas. Je n'arrive pas à dormir. Explore the room. Ok, donc là on peut jouer. Si tout est comme dans les RPG, normalement on fouille tout, on a des trucs sur. On a des informations sur tout. Il faut tout chercher. Alors, boule de neige, le lapin domestique. Ta poupée préférée. Ouh, ça me dégoûte. Je déteste ça.
Une poupée que j'ai eue de papa. Elle est tellement vieille et worn, je pense que c'est craquelé ou elle est dégueulasse. Ah, un flashback, nice. Je t'ai apporté un cadeau, Aya. Ouais! C'est une poupée? Merci, papa. Elle est horrible. Elle est horrible, ses gros yeux là. Quelle jolie poupée! C'est comme si elle était en... Là est le problème. Là est le problème. C'est comme si elle était en vie. C'est flippant. Un doudou, un plain dresser, un armoire pour s'habiller, je pense, avec des habits. The Red Eye Stranger, l'étranger aux yeux rouges. Oh! Quelque chose est tombé. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai eu une gemme. Alors, tips, les gemmes sont cachées dans plusieurs endroits. Certaines demandent de faire quelque chose de spécial. You can see your gem. Alors, tu peux voir combien tu as de gemmes dans le menu. Trouve-les tous et quelque chose pourrait arriver. Ça va, mais il n'y a que 20 gemmes. Enfin, que 20 gemmes, il faut les trouver. Un portrait de maman. Maman. Oh les nibas! Qu'est-ce que je devrais faire, maman? J'aime papa, mais... Elle me fait peur. Elle est tout le temps en train de me regarder avec ses yeux. Je la déteste. Avec Naoufal, mais je sais que papa l'aime. Et si papa et elle se marient, je pense que ça serait ma nouvelle maman. Mais je veux pas d'elle comme ma nouvelle maman. Je ne veux pas de nouvelle maman. Il y a toujours une seule maman dans le monde pour moi. Maman. Why did you have to go? Pourquoi as-tu dû partir? As-tu dû? Ça existe? On peut dire as-tu dû? Ouais. Alors, la chambre me semble froide tout à coup. J'ai un peu peur. Je devrais retourner au lit. Non. Ok, donc il n'y a pas le truc de... C'est normal dans ce genre de jeu, c'est toujours bien de toujours sauvegarder pour ce qui est des fins et tout, mais je pense que tout a été arrangé pour pas avoir faire ce système. Bon, bonne nuit. En fait, je sais pas quand est-ce que cette vidéo doit sortir, hein. Même quand est-ce qu'elle sortira, parce que pour vous faire une idée, on est le 22 août 2021. Et je dois encore monter le comptoir et une vidéo avec Mathéo sur une programmation. Et bah c'est soit je le fais après, soit je la monte comme ça pour avoir un peu de contenu sur la chaîne. Et moi, ça me permet de jouer à ce jeu qui est pour moi exceptionnel. Bon bref, tu chantes si bien, Aya. C'est vrai qu'elle chante bien. Enfin, elle grogne bien. Est-ce que je peux me retourner maintenant, papa? Juste un moment. Je mets ça là. Yes, c'est fini. Oh! Une couronne de fleurs? Oui! Est-ce qu'elle va bien sur moi? Est-ce qu'elle me va bien? Oui, et je pense qu'elle te va très bien. Ouais! Merci, papounet. Oh, c'est la mère, je suis désolé, je peux pas toujours jouer avec toi. Papa. Tout va bien. Je suis content qu'on peut jouer ensemble aujourd'hui, papa. Oh mon, oh my, oh. C'est inhabituel. Vous deux êtes en train de jouer. Putain, mais les nibas! Maman! Regarde! Papa m'a fait une couronne de fleurs. Mais c'est magnifique! En plus, elle te va bien, Aya. Donc tu as joué avec lui toute la journée? Ouais. On devrait faire ça encore une fois, papa. Oui, on devrait. La prochaine fois, ta mère devrait nous rejoindre. Bon, ben, je verrai bien. Tous. Maman. Je suis désolé. Just another... Je sais pas. Bon, on va dire qu'elle avait un glaire, quoi. Allez, hop. Ne force pas trop si tu ne te sens pas bien. Viens, je vais te donner des médicaments de Maria.
It should help you. It devrait t'aider. Ça devrait t'aider à aller mieux. Non, je peux aider. Je peux surpasser ça moi-même. Maman, tu vas bien? Enfin, t'es blessé? Tu vas bien, pas vrai? Désolé de t'inquiéter. Je vais parfaitement bien. Ne sois pas si anxieuse, s'il te plaît. Aya, ton sourire continue, keeps me going best of all. Me permet d'être au meilleur de moi-même. Si je ne peux pas te voir souriante, ça me fait juste m'inquiéter. Maman! Ok. Maintenant, let's get back. Retournons dîner. I made sirloin steak, on va dire de la viande ce soir. Ta favorite, Aya. Ouais! J'adore les steaks de maman, putain. C'est vrai qu'elle a de beaux steaks, ta mère. Pas vrai, papa? Ah, bien sûr. Elle fait les meilleurs steaks de... Ouf. Je te le fais pas dire. Bon, tout va bien au niveau du son. Je pense que tout va bien au niveau de l'image. On était si heureux. Thérèse, Maria, tout, but... Il y avait Maria aussi, mais... Même si les trois... Enfin, nous trois étant une famille heureuse. Mais maman est morte de sa maladie. Et toute cette joie qu'on avait est juste... Je pense qu'il voulait dire partie. Cette joie était partie. Ah. Quoi? Ce cri, est-ce que c'était papa? Quelque chose a dû arriver. Je vais aller voir papa. Je peux pas passer par là. Pour ceux qui viennent sur les lives, vous devrez savoir que je suis pas le plus courageux en termes de jeu d'horreur. Et que Johan, lui, par exemple, est un insensible plus total. Il est très très fort pour résister à ce genre de truc. Mais voilà, je vais essayer de faire de mon mieux. J'ai un mauvais pressentiment. Ah, j'aime pas ça. Quoi? Oh là là. Oh là là. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Non! Don't. Ouais, ne m'approche pas. Par là! Qui a dit ça? Viens par là! Est-ce qu'il y a quelqu'un? Qui es-tu? Par ici. Mais qui es-tu? Reste avec moi. J'ai dit par ici. Non. Oh bah, je sais pas ce que je préfère. Hein. Qui est cette personne? Oh. Qui est si loin là? Putain, mais lui c'est un personnage récurrent, je pense, dans les jeux du même créateur. Je crois qu'il était dans Misao aussi. Je sais plus, honnêtement, je sais plus du tout. Alors, beaucoup de livres intéressants dans cette chambre. Est-ce que tu aimes les livres, ma chère? Qui es-tu? Oh, pas besoin d'avoir peur. Enfin, d'être sur tes gardes, je sais pas. Je suis un marchand, un vendeur. Salesman. Il est chauve. Il est chaud. Appelle-moi Ogre. J'espère te connaître. I hope to get to know you. J'espère pouvoir te connaître, jeune petite fille. Enfin, jeune fille. C'est un peu troublant. De penser que ces corps déambulent dans cette maison, enfin dans la mansion. Des corps? Les monstres de derrière? T'es là avec, on dirait des créatures d'une histoire. Pourquoi des monstres comme ça, soudainement? Bon, eh bien, c'est une malédiction. What you saw were the... Ce que tu as vu était les corps que ton père... des sujets de ton père. Overcome, qui reviennent avec, je pense, avec N. Qui sont revenus par le pouvoir d'une malédiction pour se venger de ton père, évidemment. Quoi? Mais je dois le sauver. Qu'est-ce que c'est que ça? Toward his own ends. Après tout, il a tué un nombre incalculable de personnes de par ses expériences. This is a retribution. A retribution. Je sais pas ce que c'est. Une vengeance? Il paye l'addition? Enfin, il récupère son dû, qui pisse dans le vent, se rince les dents? Je sais pas du tout.
Tu devrais avoir réalisé maintenant que la vraie nature de ton père est encore... Tu souhaites le sauver ? Je serais resté avec le chauve, moi. My, my. Je suis canadienne. Après tout, elle ne peut pas comprendre leur souffrance. Elle ne peut pas encore comprendre leur souffrance. Je dois aller sauver Papounet. Oh. A crow. Alors, parle au hibou tout pour sauvegarder ta progression à travers l'histoire. Il y a... There are game ending traps about. Il y a plein de game over, enfin des pièges qui te font avoir game over dans cette mention abnormale. Je sais pas ce que c'est. Alors, sois sûr de sauvegarder régulièrement. Head to the basement. Ok, donc j'ai 10 trucs de sauvegarde. Alors, du coup, je disais que de la merde. Ben, du coup, il va falloir faire très attention avec les sauvegardes parce que ça peut nous sauver la vie. Putain, ça fait déjà 19 minutes. Ben, je vais pas tarder à arrêter, moi. Quelle horreur. Alors, l'horloge s'est arrêtée à minuit. Enfin, est arrêté à minuit. Je dois aller au laboratoire de papa. Oh putain, chambre des poupées, il y avait écrit. Je sais pas si je veux vraiment aller là-bas. Quoi? Attends, c'est quoi ce bruit? N'importe quoi. N'importe quoi. Oh, attends, quoi? Une poupée? Si j'avais continué de marcher, j'aurais peut-être. Je l'aurais peut-être marché dessus. Alors, quand un nuancé, enfin, je sais pas, mes couilles, hein, quand des bordures rouges recouvrent l'écran, ça veut dire que, bah, en gros, c'est un QTE, quoi. À commencer. Donc, il faut appuyer très vite sur le bouton qui a écrit sur l'écran avant la limite du temps. Si tu perds, ça peut être un game over. Je me demande s'il n'y a pas des QTE qui font pas des game over qui pourraient me faire accéder à une autre fin ou à des trucs que je peux peut-être ne pas voir. Je sais pas pourquoi je voulais lui parler. J'ai pas forcément envie de lui parler en plus. Par contre, c'est quoi cette démarche de princesse? Marina passe et tu t'écartes, Marina domine et tu t'inclines. J'ai pas capté, mais... Oh non... Quelle horreur. Alors, on m'appelle. J'ai reçu un appel, mais rien d'important. Donc, une pile of discarded dolls. Des poupées vides, ou je sais pas. Enfin, block the way, enfin, block le chemin, voilà, on peut pas y aller. C'était pas là quand j'étais descendu, plutôt. Je ne peux pas passer par là. Je dois penser à un chemin pour arriver au laboratoire de Papounet. Mais j'en sais rien, moi, putain. Y a un truc qui a bougé. Ah, ben... Ah, putain. Ah, ta mère. Putain. Est-ce que cette poupée est en train de bouger? Est-ce que c'est une part de la malédiction, aussi? Quelle horreur. Quelle horreur. Je déteste ça. Et... Je prends la gemme. Je me casse. Je me casse. Allez, salut. Oh putain! Oh, c'est des bâtards! Oh, c'est vraiment des chiens! Je peux descendre ou elles seront toujours là, les deux cruches là? Ah, les putes, je vous déteste! Oh, je vous déteste! J'avais oublié que c'était la salle des poupées. La poupée que papa m'a fait. Une gemme. Je me demande s'il n'y a que 20 gemmes dans le jeu, parce que ça va super vite quand même. Tellement de détails, on dirait pas que c'est une poupée. Une poupée décorative. Bon. Je peux rien faire avec aucune d'elles. Je préfère vérifier au cas où, hein, quitte à ce que ce soit un peu long. Elle, je peux pas aller la voir. Peut-être si je fais ça, peut-être c'est le piège. Non, même pas.
Hop, non, 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 non. Ok. Ok, j'espère que vous aimez bien le bruit de mon clavier mécanique. Je pense pas que je devrais aller là, hein. Non, voilà, on me bloque le chemin, la statue, elle me dit rien. Les archives. Ok, c'est fermé. Super. Ça, c'est pas des salles, par hasard. Non, c'est juste une architecture très très moche. Le clocher, il va me dire toujours la même chose. Voilà, c'est bloqué à minuit. Et... dedans, il y avait l'autre salope. Oh là là. Oh putain, je croyais que c'était... je sais pas si c'était la tête d'Aya qu'il y avait sur le miroir, je suis pas sûr. Une robe pour une poupée. Maria a dit qu'elle planifiait, elle avait planifié de jeter cette robe parce qu'elle était tout Rajedi. Tu sais quoi, je vais chercher, je vais faire un effort, je vais aller chercher Rajedi sur internet. En lock. Ok, donc elle était un peu... ouais, voilà. On dirait... ça me semble du gaspillage pour moi. Les chaussures qui font des claquettes toutes seules. On va se calmer. On va pas me prendre de haut. Ok, mais y a rien à faire dans ces salles. Genre, à part des trucs flippants, il se passerait... oh, je peux récupérer un truc. Je peux récupérer un truc, peut-être. Non. Bon, super. Cette salle ne me sert pas pour le moment, à part cette robe, qui a l'air un peu immonde, apparemment. Ta mère la pute. Je peux courir? Je peux courir? Non. Bon. Alors, les chiottes! Pas du tout envie, j'ai pas du tout envie. Cette ambiance lugubre là. Une gemme? Yes. Ta mère, je fais quoi? Qu'est-ce que je suis censé faire? J'ai perdu de la vie là. Putain, il m'a fait super peur. Je suis vraiment une chochotte, hein. Eh, j'ai paniqué, je pensais pas fallait courir, moi. J'ai perdu de la vie, ça se voit, ou... ok. Donc, à part des gemmes... ok. Non, bah non. Je récupère ma vie, je crois, à chaque fois que... je sais pas. Bah, j'espère qu'il n'y a pas ce système de vie longtemps, parce que ça risque de me péter un peu les couilles. Alors, point d'interrogation. C'est merveilleux. Je suis monté donc. Oh putain. Me dis pas que c'est une poupée qui parle encore là. Ça, je vais péter un câble. Une poupée à taille vie humaine, je pense. Ah, mais j'ai juste fait le tour. Non. Non, c'est pas possible, c'est un autre étage. C'est pas du tout. Ça, c'est ma chambre. Ah non, voilà, c'est un autre étage, putain. Ah non, infirmerie. C'est ma chambre. Je dors à l'infirmerie. Il y a un chat mort à l'intérieur. Ta poupée favorite. Le lapin, il s'est réveillé. Boule de neige se relaxe. Je le caresse. Gentil Snowball. Et je le prends avec moi. Viens, Snowball. Snowball adore papa aussi, pas vrai? Elle va égorger le lapin, là. Ah non. Boule de neige. Enfin, Snowball, allez, on va l'appeler Snowball. Où est-ce que tu es? Et ouais.
Et quand est-ce que ta jambe t'a fait mal aussi? Qu'est-ce que je fais? Snowball! Où est-ce que tu es allé? J'étais tellement inquiète de que tu aies disparu. Je ne pouvais pas wrap up. Je pense que c'est comme quand tu mets des bandages autour. Wrap up, je pense. Cette blessure. Ouais, voilà, c'est faire ça. C'est cette blessure sans que tu. Avec toi qui cours partout. Putain, j'ai eu du mal. Attends, mais ta blessure est guérie? Waouh, c'est un lapin qui fouteur de troubles. Aya, try not to let, n'essaye de ne pas laisser Snowball hors de ta vue, tu veux? Le lapin a fait une foutu bordel dans la cuisine. Je suis désolé, papa. Snowball, peut-être qu'il a essayé d'avoir un morceau de la cuisine de Maria, encore, hein? Est-ce que tu as trouvé Snowball, papa? Oui, j'ai réparé sa jambe pendant qu'il était dessus. À titre. Bonne chose, pas. C'est une bonne chose que papa soit dans les parages, pas vrai, Snowball? Merci, papa. Snowball fait partie de la famille. Traité tout comme les autres, de la même façon que les autres. J'aime bien les flashbacks parce que c'est. Il y a de la lumière déjà. Allons sauver papa. Elle va le mettre dans sa poche. Yes. J'ai Snowball dans la poche. Le fluffy bed de Snowball, donc le lit douillet de Snowball. Écoutez, ça fait déjà 36 minutes. Je dois faire un tout petit peu de montage. Je vais essayer de pas trop me casser le cul. Donc voilà, je vais enregistrer. On m'appelle. Oui. Bon, on m'a re-appelé. Comme je l'ai dit, je sais pas s'il y aura énormément de montage. Je sais pas si je vais continuer. Si je vais continuer ce let's play. Parce que c'est vraiment lancé sur un coup de tête et je ne sais pas si j'aurai le temps moi-même de jouer continuellement à ce jeu. En tout cas, merci d'avoir regardé. Ça m'a fait super plaisir, même si je ne sais pas qui vous êtes. Et ben, espérons qu'à la prochaine pour un peu plus de troubles. Éclater sa mère. Salut!